En attendant, n'a demandé propriétaire pompio pour yo ouvert toute pompe tout de suite pour population capable joindre service normalement. Comme ça, gouvernement par voie ministère commerce et industrie déjà prend toute disposition pour faire appliquer la loi. Dans ce sens ça, tout propriétaire pompe qui pas ouvert pompio, ministère commerce et industrie a retiré autorisation lité bayo pour fonctionner et l'a retiré yo net. Parce que même loi qui était autorisée, gagné autorisation, eh bien, même loi ça, pour l'appliquer, et dès demain même, si pompe n'est pas ouvri, je dis, ils vont commencer, venir dans le ministère, commencer à faire application, pour même processus qui été fait pour gagner non commercial ça, pour être capable de gagner. Eh bien, il y a un communiqué ministériel qui prend pour annuler tout non commercial ça yo et rayer yo dans le registre ministère commerce et industrie. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était ministre Jonas Kofi. Oui, on a demandé M. Derifons un commentaire sur la prise de position ministre. M. Derifons, bonjour, bienvenue sur Antenne Magic 9. Bonjour avec Robertson, bonjour avec panel Magic 9 là, bonjour tout auditoire là et bonjour Haïti. Nous sommes bien contents d'avoir hier un camp de travail Pompkin en approche. Autant des menaces ministre commerce et industrie, nous chitons pour résoudre le problème avec les compagnies. Et nous ne pouvons pas faire la population souffrir, les menacer pour lui retirer définitivement permis de fonctionner nous et rayer nos commerciaux sur la liste des non-commerciaux. Réaction. Bon, et Auberson m'a dit que et à chacun de prendre sa responsabilité. Et nous sommes assez sages dans le début des marches pour nous écrire. Tous les ministères de tutelle, tous les ministères qui concernés, en d'autres termes. Notre correspondance a été vers le ministère de l'économie et des finances. On a copié le commerce. On a également copié l'APP, qui c'est l'Association professionnelle des pétroliers. On a fait publier cette même correspondance et en date du 17 septembre sur le Nouvelis. On a fait une large couverture médiatique et permettant à toute la population et aux instances concernées de savoir de quoi il en est et notre malaise dans le secteur. Ils n'ont pas réagi. Bon, on notait ouais, que nous avons décapitalisé et parce que nous sommes dans 3 mois dans le problème ça. Et bon, le propriétaire de station, c'est dans le fonds de commerce à le pour la payer la banque et en fonction de prêt que le défait pour le débattre et puis de ça. Et au cas comprendre, c'est des montants assez important et en américain. Et le fonds de commerce est en gourde. Et au bout de 3 mois, il y a un pile dans nous qui est soufflé. C'est à partir de là qu'on s'est dit qu'on a nul autre choix que de prendre une date et d'arrêter nos opérations. Ok, maintenant, autant de positions ministre commerce là, et monde qui n'a pas ouvert matin, il a retiré définitivement licencié et nos commerciaux à brillé. Vous avez une réaction sur ça? Bon. Et à la poste, on a pu se réunir là-dessus hier après-midi. Nous avons des ministres, ok, son ministre que lié, il a le droit de parler. Et du coup, nous avons souhaité que il prenne la responsabilité la main et le nous avons annoncé le de malaise là. Et d'ailleurs, et aux personnes, bon, du coup, que, et domaine dans une ligne, une fine ligne que le tracé. Le rapport compagnie pétrolière, c'est avec l'État que le gagne. L'État a un rapport direct avec les compagnies pétrolières. Nous-mêmes, les propriétaires de stations, nous avons un rapport direct avec les compagnies pétrolières. Et on n'a rien à voir avec l'État. Effectivement, c'est l'État qui est toujours agent des structures de prière. Bon, et à ce moment-là que les compagnies pétrolières soumettent nous. Mais dans ce cas bien précis, les compagnies ont décidé pour retirer notre clause qui est bien importante dans le contrat, qui est loyer. On avait averti l'État
de cette malaise et de l'éventualité, voilà ce qui allait probablement se passer, et que nous allons pas se justifier. Ok, quittez-moi une autre question très simple. N'a pas été fermé ou bien ouvert matin, Jean ministre a menacé nous pour... Pas question que nous réouvrir. Et sur un temps beaucoup plus clément hier après-midi, le ministre a fait contact avec moi, ok, demandé que pour nous réouvrir Pompio, et il a rencontré nous. Bon, et apparemment, le ministre était beaucoup plus préoccupé par l'ouverture là, où, au lieu de joindre on force en solution de compagnie pétrolière. Yo. Nous dit non le qui pas de bon pour nous matin hein? Et nous te dit les c'est pas possible nous te pas le que et au moins trois membres tap ca ensemble pour nous rencontrer lui. Bon, il n'a pas refait contact, il a choisi de faire des inspections sur les stations et que il supposé prendre sanction. Mais et on aurait souhaité que le ministre fasse tige visite la notre visite ça à chaque fois que nos victimes de émeutes que les populations est toujours et fait sous nous en fonction de des idées d'attaque qu'il y a vis-à-vis l'État, même si c'est pas une visite de et ben nous on chèque et ben nous des avantages, même si c'est une visite de courtoisie pour sympathiser avec nous, le ça arrivé. Mais malheureusement c'est que nous ouais c'est dans des cas et beaucoup plus et qui concerne les États qui a supposé prendre responsabilité dans la main et que pression en fait. Ok, si je bien comprends, nous pas fait bac, mais matin, après votre ministre, c'est comment cela? Bon, et comme je vous allez, et Robertson, oui. Et nous là, est ouvert avec toute possibilité pour nous rendre le pays à marcher, ok, pour nous permettre que la vie reprenne convenablement, pour nous servir la population. Nous. Mais cependant, comme et ministre là, qu'on ait problème, non, ok, avec les compagnies pétrolières, nous t'ai souhaité que tu t'ai joué des rôles de médiateur permettant que la discussion commence à avancer. Mais nous, ce n'est pas priorité. La priorité, c'est marcher dans la rue. Et bon, comme vous avez remarqué, ça a été quelques mois, arrêter les gens pour vivre sans garde, donc un grand bataille, faire pression, faire main, et à faire main, retirer licence, bloquer compte. On attend les répercussions de. Démarche juste ça que nous gagnons et droit constitutionnel ça que nous gagnons, vous dire qu'il y a que et les pressions qu'a fait sur nous. Ok, quittez ben formule les questions, Jean, vous envie de comprendre parce que moi envie clair sur ça. Oui, non, c'est sous menace ministre monsieur Derifons qui était clair, il était bon jusqu'à hier à matin pour que nous t'ai réouvert toute pompe, il était menacé pour qu'il t'ait retiré droit de fonctionnement que nous gagnons. Nous même est-ce que c'est dit nous là pompe il a prêté fermé, il a été fermé hier, après été fermé jeudi, après été fermé jusqu'à nouvel ordre. Oui, exactement, c'est ça. Et on apprend de vraies actions de ministre, hein, ok. On apprend de vraies actions de l'État en soi, et pour permettre que et fait compagnie pétrolière Yoshita, ok, pour y retracter sous correspondance, ok, et puis pour nous-mêmes pour avancer. Ok. C'est bien. Maintenant, moi, t'es parlé pour journal. C'est Marc André. Derifons, s'il vous plaît, pas du près Derifons, Marc-André Derifons, corrige-moi nous et la régie. Et hier tout, journal Le Nouvelliste parlait avec ministre économie et finance là, monsieur Michel Patrick Boisvert, qui dit que nous écrit lui et lui peut quoi habitué avec et Anapros, mais l'a rencontré nous et il t'a finalisé budget, il dit hier il finalisé budget, question budget là. Donc là pour rencontrer nous pour d'après ça le dit moi pour le faire nous tendre raison, c'est ça le dit moi et lui indiquer que et avant te gagner des batailles sous centimes, le ça marge là t'es en good et dollar là t'es 125 good, donc il pas de bon pour opérateur yo, mais il dit avec good là qui apprécie là, il dit que problème n'a peut-être pas résolu à 100% mais il résout à 70-80%. Et je dis à Manjo, il a maintenu un goud et goud là apprécié de 50 à 60%. Il dit ça t'a dû calmer appréhension par rapport à compagnie yo. Et c'est ça il dit, mais il dit la paix et créer temps pour les rencontrer nous. Ou un commentaire sur appréciation et analyse ministre Finance, monsieur Marc-André Derifons? Bon, et aux personnes qui comprennent que l'homme fait un investissement pareil, sur aucun engagement, parce que on station d'essence. C'est parti de 400 000 jusqu'à 1 million et tout ça, dépendamment de taille là et tout, et qui coûte ce bâtiment et tout ça. Maintenant, mettez-nous dans une situation pour nager dans l'incertitude, côté que
jodi a mon gars décidé dit là oui il a payé demain en fonction de Kaeli côté le en rouge moi j'aime pas payer nèg ça moyennant que il y a un contrat qui dit que voilà comment rémunérer je dirais carrément et son loyer par rapport avec les stations. C'est bien correct. Il faut que gagne une décision définitive qui sortit sous ça. Comme moi dit Oli tantôt, et le ministre a une relation directement avec APP. Et de point, il connaît qui ça pour faire, il connaît côté pour aller et côté pour pressurer monsieur pour avancer dans le bon sens. OK. Maintenant, hier, nous essayons de contacter M. Randolph Rameau, qui est président de l'Association des professionnels du pétrole, les APPE. Et nous pouvons joindre, nous parler avec des sources qui disent nous que il y a des compagnies qui commencent à résoudre le problème Ristounza avec les distributeurs. Est-ce que c'est le cas pour les distributeurs qui m'en banent à Pros, M. Derifos? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, et le que monsieur annonce, il annonce ses mouvements, et il a précipité, commencé même samedi après-midi, je ne sais pas si c'était contre samedi après-midi. Samedi après-midi, il y a une cap sortie là, en veux-tu en voilà. Mais ce n'est pas faux question, c'est que, bon correspondance que monsieur a fait sortir, par exemple, pour ça qui est beaucoup plus élégant, yo, t'es écrit, et mon que vous contrat avec vous, propriétaire de station qui a un contrat avec vous, pour dire que, il n'y a pas payé ou remise à compter du 1er août. Pour ça qui est moins élégant, qui est beaucoup plus arrogant. C'est téléphone que tu prends désiré le monde une par une, puis dis que, en fonction de contrat de gain avant, on n'a pas de sentiment qu'on n'a pas de loyer encore. Le fait que ou pas qu'à faire business comme ça pour nager dans l'incertitude. Je dis qu'on n'a pas payé en devant sous, et demain, on n'a pas payé en devant sous. Il faut que le problème soit résolu une fois pour toutes. Et puis on tout le monde en avance. Ok. Sous un galon, combien ristoun nan yon ou devant ce loyer? Combien lié? Combien compagnie yon bay distributeur? Bon, et il varie en fonction de taille, de capacité que moun nan gagne. Par exemple, gagne un moun qui gagne dans non coin, qui beaucoup a plus attrayant, qui a attiré plus volume. Et Stéphane, et gagne une bonne variable. Si c'est lui même qui fait tout le travail, li, par exemple, il fait station de A à Z, et il a une meilleure position pour le négocier. Alors ça a. Et il a varié en 10 centimes, dépendamment du volume que mon a. En fait, il y a un quota qui possède, et compagnie qui doit dire, mon cher, n'a payé 10 centimes à compter de 50 000 gallons. Bon, le plus souvent, il y a toujours un quota qu'on est possiblement, on ne doit pas atteindre. Donc, là, il y a un quota qui fait, il ne doit pas atteindre 50 000 gallons, pour toucher moins. OK? Il y a un calcul qui fait, qui permet que. Je toujours le même bien sorti. Nous pas de problème avec ça, mais cependant nous exiger que si vous êtes connaissez c'est comme ça nous fonctionnement business à supposé comment vous voulez me faire pour me subsister et là dit moi préférer le catégoriquement. M'a rappelé encore Robinson. Ça ouais je dis que nous gagnons en termes de ristoun de marge sous galon son bagage que multinationales qui quittent nous malheureusement. C'est plein d'affaires que vous avez gagné, c'est comme ça vous faites business et partout, presque partout. Voilà. Et là, yo, par exemple, vous même bâti station, propre station par vous, infrastructure par vous. À ce moment, vous placez un monde là-dedans, un gestionnaire. Le gestionnaire, ça a payé un loyer pour gestion partie gaz. Là. Et là, il a payé un loyer additionnel pour quelle que soit la facilité qui gagne sur l'espace. Ça, si vous avez un côté pour le fonds market, un petit restaurant, quel que soit ça, l'IA, c'est des charges additionnelles. Parce que vous comprenez bien. Il fallait que amortir les dépenses. OK? Mm-hmm. Et de coup, on a l'exclusivité qui signe, on va pas chez gaz dans même seulement. So, en 1995, yo, 95, 96, yo, on a parlé, quand Shell s'est prêté à aller à Haïti, et l'OALBD MSE pour un projet, je dis, ce serait préférable que vous même vous faites projet, nous payons centimes, et pour amortir l'investissement, là. C'est comme ça, modèle business, c'est toujours lié, c'est comme ça, lié, comme on a toujours lié. Malheureusement, les multinationales nous ont laissé. On a pratiquement des compagnies locaux et des compagnies locales, je veux dire. Et je vous dis, elle a commencé à changer. OK. Maintenant, avant-dernière question, hein, président Anna Dibla, qui n'était pas là avec le journal Le Nouveliste, M. David Thionnier.
li encourage le dialogue. Li dit que li oppose fermement à menace ministre commerce et industria pour lui retirer définitivement autorisation fonctionnement station service et pour lui retirer non yo dans le registre du commerce. Li dit que li pas partagé non plus démarche à Napros qui allait directement à la grève pour résoudre un différent commercial. Li dit nous toujours pour le dialogue, c'est une dispute commerciale qui doit être réglée par des gens de leur avocat et juge. Ou un commentaire sur le commentaire de M. Tournier? Bon, et à M. Tournier de me dire qu'est-ce qu'il avait fait au sein de la NADIP pour éviter tout cela. Parce que tout le monde reposait et comme si on dans le business, je pensais qu'il y avait une structure qui était sous place pour rassurer que qu'on relation, qu'on bonne communication entre différents acteurs au plus haut niveau. Qui veut dire l'État, l'APP et la NADIP. Mais là, nous, ouais, que correspondance a sorti. Première correspondance qui sorti, il y a circulé sur les réseaux sociaux. Il était orienté à APP qui était écrit à NADIP disant que, et non à venir, non, et non lointain, il n'y a pas de café ou émission encore. Bon, ben, là, ça a circulé pour tout grand, personne qui touché officiellement. La NADIP n'avait pas réagi. Pas grand qui dit, jusqu'à ce que, messieurs, fait forfait à vous et correspondance. Et également, il y a par téléphone et tout ça. Maintenant, et chaque monde a façon par eux pour y avoir un résultat que y a besoin. Nous-mêmes, et dans bord dans la poste, nous avons une façon pour nous juguler et sujet à pour nous faire que nous pouvons avancer. Okay. Parce que nous, il nous faut avancer parce que c'est des mondes qui ont des endurances réelles. Hein. Ok, maintenant, la dernière question, c'est la question des consommateurs. Du jour au lendemain, dès qu'on fait gaz la caillou, M. Derifons, je mets l'autre membre dans la poste. Bon, par contre, qui est-ce qu'il y a la poste, qui est-ce qu'il y a la dit? Ben, en réalité, il n'y a pas de distinguo par rapport à vos stations. Du jour au lendemain, je ne vais pas jouer nous encore pour me faire gaz et ça me pénalise. Soit, dis comme client. Bon, c'est pas un souci ça que nous gagnons. Nous avons toujours été dans la communauté nous, pour nous servir la population à long terme. Nous ne voulons pas arriver dans une situation dans un an, dans six mois, dans deux ans, pour nous tomber dans une situation dans fermer un an derrière l'autre. Bon, il y a une personnelle tout, sous fond investissement, on ne peut pas dire que l'investissement a tombé dans le monde, et puis vous inscrivez un point que vous fermez. C'est dans l'optique que ça nous aborde des questions, nous mettons des bases sur le tapis, pour que nous ayons des avancées réelles. Marc-André Derifons, c'est de Anapos. Merci un peu pour le temps de vous accorder, M. Derifons. Bonsoir, Saint-Cyr, bonjour. Bonjour, toutes auditrices, toutes auditeurs, magistrats. Merci, bonjour. Merci parce qu'on est avec nous. Nous, Bral Fonti parler là, c'est vous-même qui a commenté l'actualité politique là ensemble avec nous. Et là, journée jeudi à là, et nous voyons que vous lancez une organisation politique qui relaie nous parler. Et vous-même, tant que vous ancien au cadre d'administration publique là, et ministre, secrétaire d'État, et avant ça, ou t'es toujours. Comme quoi, moi, nous, t'es toujours dans plusieurs pouvoirs, M. Saint-Cyr. Faut-il expliquer nos parcours? Bon, mon parcours sur 24 ans, qui est très, très, très chargé. Et moi, comment ces jeunes garçons, le ministère de la planification, comme comptable et directeur financier. Ensuite, je me passe dans le CAMEP comme responsable tête et projet. Ensuite, nous faisons un an et demi dans l'Union européenne. Ensuite, nous sommes administrateur du ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, nous sommes conseiller et membre cabinet Jacques-Édouard Alexis. Ensuite, nous sommes conseiller ministre Jacques-Édouard Alexis comme premier ministre. Ensuite, administrateur Téléco, mais administrateur PNH comme rang DCA, qui est rang inspecteur général. Ensuite, font River Boston, mal font début de maîtrise, là me retourner, moi qui travaille dans Médecins sans frontières comme administrateur, ensuite chef de mission adjoint Médecins sans frontières, c'est moi qui coordonner toute activité choléra pour tout pays, moi-même, pour tout Médecins sans frontières, avec Dr. Chirina qui était représenter l'État haïtien à l'époque. Ensuite, le président Michel Martelly, vice-président.
Moi, je suis directeur général affaires sociales, ministre affaires sociales, ministre de l'Intérieur, chef de mission Santiago en République dominicaine, conseiller spécial président Martelly, directeur général Fayez, et ensuite avec le président Jovenel, je suis secrétaire d'État à la sécurité publique. Mes amis, au conseil, mais longueur, et côté politique, ou t'es tête calée, et qu'on y a là où vient nous parler, avant ça, ou t'es la balance? Et sans oublier que moi, j'étais ministre, conseiller, et sous-président Prévert, la consulat général de Miami. Mes amis, ou bon qui pouvoir passer la vie là, monsieur Saint-Cyr? Et tout pour la honnête, et ceci au niveau assez élevé, c'est ça qui fait que moi j'ai décidé que ça m'apprend, comme force et faiblesse, moi j'ai pour devoir, pour m'enseigner jeune, m'avoir des conseils sincères, pour prendre l'avenir en main, pour me mettre en structure, pour me prendre la décision qui pas prendre les actes manqués, les bonnes décisions qui n'ont pas été prises, parce qu'il ne s'agit que de cela. Depuis nos fêtes, on a bien en belle Haïti. Oui, effectivement, pour répondre à la question, moi, commencer la Lavalasse, et ceci en haut niveau, parce que pas oublier que sous la Lavalasse, on était directeur sous Préval, on était directeur administratif Téléco, sous président Aristide, des DCA PNH, ensuite, des constructions qui étaient en structure étatique de sécurité nationale, côté moi-même, Karel Alexandre, de la structure, ça, qui était rattaché à Premier ministre Yvon Neptune, comme Premier ministre. Donc, je pense que j'ai assez d'expérience que je suis capable d'offrir au bagage à peuple, ça, à jeunesse, là, à famille, à paysage. Ok. Monsieur Saint-Cyr, vous êtes l'homme des grands écarts politiques et idéologiques. Soit tu as répondu à un monde qui dit ça. Mais comment vous voulez faire ça comprendre? Idéologie, position en parti politique, c'est une différence de méthode. Parce que tout le monde est en Haïti, tout le monde est en éducation, tout leader est en même monde. C'est ça que ça me dit, les bonnes approches. Ce n'est pas le monde pas bon, c'est l'approche qui n'est pas bon. Quelle différence qu'il y a entre deux tendances? C'est une méthode pour appliquer. Hein? Tout le monde a fait bien-être. Tout le monde a bien-être peuple. Donc, je parle surtout en Haïti pour que comprendre la différence entre Calais, Mancourt, Lavalasse, EPR, Fusion. Non. Pas de différence? Sont différence de méthode. Ça veut dire qui ça? Bon petit détail, je comprends, s'il vous plaît. Ça veut dire que nous tous voulons l'éducation. Mais pour le monde qui pense lui-même, il faut aller vers la recherche scientifique. Au monde qui a pensé lui-même, il faut aller vers les métiers manuels. Et puis, comme on dit lui-même, je prends seulement l'alphabétisation. Et puis, comme on dit, prend l'école fondamentale. Par exemple, moi-même, de l'alphabétisation et puis la réforme de l'école fondamentale avec des notes de civisme très, très poussées en éducation adaptée à la haïtienne. Moi, dans nos paris, moi, je dis que moi, j'ai un pouvoir. Je n'ai pas besoin de mon petit monde qui a cité Bopé Victor Hugo et qui a cité Belmer Yakousso. Ça va intéresser nous qu'on y a là. C'est vrai, je dois payer nous. C'est bien ça, là, c'est mon oui. Ça veut dire que ce n'est pas une idéologie en réalité. Idéologie, c'est un bail qui a créé, qui a divisé mon livre par moi. Oh! Ok. 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 Et à nous. Vous comprenez, c'est le même genre tout. Il a appliqué de l'Udevina en plan néolibéral. C'est un genre de l'Udevina qui est DSNCRP, une sorte de méthode de coopération multilatérale adaptée à ce pays. C'est vrai, il y a pas de valet, on ne comprend rien. Ok. Que les républicains, co-démocrates États-Unis, tout le monde a défendu États-Unis. C'est des frères. Ok. Maintenant, il y a des gens qui ont ancrage Lavalasse, qui était dans le courant la gauche, qui était Lavalasse, et qui toujours mal pour digérer des bagages qui arrivaient pendant la présidence Jean-Baptiste Aristide, notamment, et pas quatre personnes qui mourent pendant le coup d'État, l'armée était fait. Et c'est des moments noirs toujours évoqués. Si je comprends, nous, et
yo tout ta ka fè même bagay la et pa gen idéologie, pa gen ligne de démarcation et entre pratique et politique et idéologie, il y a pas ça. M'a parlé de vision développement. Ah, OK. M'a parlé de action de prise de pouvoir. OK. Parce que la prise de pouvoir passe par les élections. OK. Et ça fait nous parler les mêmes. Il touche pour élection, pas pour transition. Pendant là, où on est extrêmement intelligent, dans notre autorité expliquée jeune. Pour que ça nous parle pas la transition, parce que l'on pays pauvre, la transition, il n'a pas accès à aucune plateforme de coopération bilatérale ou multilatérale. Ok, tout présentez-nous nous parler. On considère comme un pays semi-délégant. Présentez-nous nous parler. Présentez-nous nous parler, monsieur Saint-Cyr. Nous parler sont mouvements politiques. Qui basé sur des hommes expérimentés comme moi-même, qui pourraient éduquer, former la jeunesse, pour nous d'abord commencer par embellir passeport haïtien. Parce qu'on groupe peuple comme ça, parce qu'à chaque côté, il y a un passeport, mon abgado de la tête aux pieds. Ça arrive plusieurs fois, malgré mon petit gens habillé pas trop mal. Ça, franchement, j'ai déjà frustré. Moi-même, je suis frustré à cause de ça. Nous, on dit que, à partir de quelques bonnes décisions, Haïti parle belle encore. Moi, c'est ça, je me dis, je me crois là-dedans. Je ne peux pas camper en face à lundi, parce que j'ai une preuve, Oui, mais présentez une partie, sous qui ça nous croit, qui idéologie nous, qui méthode nous. Moi, les bagages, nous, qui me croit, et qui fondamentalement, ma famille, c'est le dialogue. Comme premier acte, c'est le dialogue. Où je t'apporte à regarder dans les yeux, pour dire, mais ça me faut. Mais sans ferme, et bien ça y chaînerait en avance à Haïti. Deuxièmement, c'est sécurité. Troisièmement, c'est une nouvelle constitution. Robinson, mes chers frères haïtiens, moi je dis avec cette nouvelle constitution, Haïti pas plus ferme capable de faire pas. Jamais, jamais, jamais. C'est parce que la classe moyenne, c'est des fois critiquée et c'est lui pour faire ouvrir la spéciale. Il n'y a pas vraiment de sur un rien. Si nous, 12 millions haïtiens, 12 millions 25 haïtiens d'accord que 3 millions comme une pas machine. Monsieur Saint-Cyr, pardonnez-moi, oui. Là où bon position nous paraît sur une série de grands chantiers nationaux, tant que constitution, tant que dialogue. Moi, je ne pas présenter une partie, non, pour me comprendre une partie sous des bases, je ne dire classique en politique. Mais si, ou à vision. Parce que je éducation, je en nouvelle classe moyenne, je agriculture, parce que c'est le seul pays au monde pendant la parole qui s'est pour ça organique, et c'est ça la santé. Et c'est ça le développement humain. Parce que nous sommes sur le monde. Parce que moi, je dis que Haïti, nous manquons de monde d'importance. Ma juste font un petit peu parce que nous parlons, l'aimer pouvoir. Donc son lot est bah on va inventer là avec nous parler nous même besoin de sougain hein inventer parce que nous tout en Haïti nous gain tout monde là nous alors plus fort ça de l'esclavage nous pas comme ça et secondaire besoin ou pas secondaire c'est pas qu'on est tout monde 9 ans à marcher 3 km à porter de l'eau pour grand monde ça de l'esclavage mais pas comme ça. OK. Mais maintenant, si quelqu'un qui dit, mais avec votre longue expérience au service de l'État et au plus haut niveau de l'État, en quoi est-ce que vous avez contribué pour que Timon Zapane esclavage va dénoncer aujourd'hui? Justement, j'ai un système là. Il y a un Haïti, j'ai comme constitution, le pouvoir n'est pas dans le gouvernement vrai, il est dans l'exécutif vrai. Le pouvoir, c'est quand même parlement vrai. Il y a quelques monde dans l'État qui ont capacité pour faire un changement. Il y a le chef de l'État, le premier ministre, beaucoup moins, le Parlement, parce qu'on tribune de 4 à 6 ans, puis en tant qu'immunité, puis on fait ça en vrai, puis on fait développement. Ensuite, les membres de la Cour des comptes, parce qu'on a 10 ans dans la main, les conseils des banques, le chef de la police, il l'a ratifié. C'est moi qui ai le cas pour la décision. Même il y a 25 ans de carrière au Benson, avec des contrats de 24 heures renouvelables, hein, chaque matin nouveau cap, pendant 24 ans.
chaque matin, je suis révocable, suite à un coup de langue ou suite à un mauvais honneur d'un chef. C'est ça ma carrière. J'en ai beaucoup souffert, je suis révolté. Maintenant, 24 heures, chaque matin, à 6 heures du matin, je suis révocable. Quittez-moi des commentaires pour me répondre. Je me dis, monsieur, n'est-ce pas calé, c'est extraordinaire. Et yo bon même bala mais yo changer la belle là et ça répond par rapport à ça mon qui considérer que nous Paris c'est tête calé cap changer couleur pour retourner et allemand des peuple à pouvoir ça pense par rapport à mon qui pense ça je suis assez qui entre nous Paris à n'importe quel autre parti politique nous venons d'avoir expérience que par rapport à mon qui hein nous venons en prise de conscience qui est basée sur du vécu fond par rapport de gauche à droite à cette droite pendant 24 ans. Comme on regarde tout, non? Faut nous voir comment on ramasse ton paquet d'expérience, tout, que m'a mis au service de la jeunesse haïtienne. Et nous devons parler vers la jeunesse, les femmes et les paysans. Mamboudou, nous comprenons de quoi la confusion. Ça se comprend parce que je suis très proche du président Joseph Michel Mandela. Quand ça tourne, ses amis, président Prévert, ses amis, président Estime, ses amis, président Jovenel. J'en ai dit là, en moins de 3 heures de temps, manger à tous les fois au matin. Donc, moi, pour ce dialogue là, et ça capte tu es Haïti. Dialogue, c'est ça le parcours. Maintenant, pour me redonner dans ce sens. Mais qui différence si nous parlons PHTK? Aucune ou bien différence? Si oui, ça y est. Nous parlons même d'aller sous un autre mode opératoire. Directement vers les paysans, directement vers la jeunesse. Parce que lui-même n'est pas exécutif le moment de pouvoir. Parce que bon, d'expérience, on connaît que c'est très difficile pour prendre au pouvoir, pour mettre en doctrine à tête. Très difficile. Très difficile. On voit ça. Parce que, on ne peut plus ça. Parce que depuis le pouvoir, si tu es en côté, on te dit, et tu as prendre l'eau. Et on n'a pas de job, on n'a pas de réunion encore. D'expérience, on fait. Mais ouais. Et ça fait que nous parlons même, la laisse où on l'autre discours, après c'est le même discours, pour tout en Haïti, nous avons notre approche. Mais donc, nous-mêmes, nous ne parlons pas de retirer l'esclavage, parce que nous, toute la fête, l'esclavage, nous ne parlons pas. Et nous, tout comme nous, nous ne parlons pas. Nous acceptons que nous ne parlons pas de nous, parce nous, nous avons tout le monde dans la région. Monsieur Saint-Cyr. Monsieur Saint-Cyr, vous connaissez un grand pile jeune captain de nous là. Vous connaissez un grand pile jeune captain de nous là. Il y a peu sur vous. Lors de l'idéologie politique là, c'est son bagage qui est inventé pour diviser la société. Vous avez bien aimé connaître ça dans tête comme idéologie politique. Comment on définit l'idéologie politique? Mais pas moi, je suis dans ce monde. On ne va pas parler de Paul là, on ne va pas parler de définition d'approche générale ou de idéologie politique. Moi connais que là on est venu avec le communisme Robinson. Pas de monde qui comme ou plus qu'on est passé ou plus fort passé dans la recherche. Regardez quoi ça s'est passé en Russie pendant pas de communisme. Mais